Non, malheureusement, ça passe pas parce que c'est trop haut en fait. Si on en met plusieurs, est-ce qu'il va arriver? Salut Mister Egg, qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu un petit chaton là qui est passé, j'ai vu un petit chaton. Un chaton, mais il n'y a pas de chaton ici. Enfin, où est-ce que tu l'as vu? J'ai vu un petit chaton dans la boîte. Quelle boîte? Enfin, là, c'est une tirelire. Écoute, on va regarder ensemble et puis on verra s'il y a un petit chaton ou pas dans la boîte qui est juste à côté de toi. Abonnez-vous à la chaîne Anthony Jouet, activez les notifications avec la cloche, comme sur le schéma, et puis pensez à liker les vidéos. Merci. Bienvenue à tous sur ma nouvelle vidéo Anthony Jouet. J'ai reçu un achat que j'ai fait il y a un certain temps là sur un site web chinois ou japonais, je sais plus. Et donc cette fois-ci, on va tester ce boîtier-là avec une tirelire sympathique avec une petite surprise. Voilà. Ça s'appelle Mischief Saving Box. Mischief Saving Box, pardon. Et voilà, c'est censé être une tirelire rigolote. Donc on va ouvrir. Alors c'est arrivé dans cet état-là, hein, à la poste. Le temps de faire la Chine-Paris. Ça a un peu souffert dans le transport. Donc on va ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dans le boîtier? Le plastique. Tadam! Ouh, sympa! Donc on va regarder. Alors, au fond, il y a un plastique, on va le laisser là. On va mettre l'autre là-dedans, on va mettre de côté. Qu'est-ce que ça dit? Donc il faut mettre deux piles, c'est écrit en chinois. C'est écrit en chinois. Mais bon, on arrive à comprendre quand même quoi. Il faut mettre les piles là-dedans. Là, c'est pour ouvrir, récupérer l'argent. Ah, c'est en anglais là, c'est pas mal. Donc, confirm the coin outlet is closed. Ok. Turn the button power switch on position. Et puis, il faut poser le truc. Bon, on va regarder. On va regarder. Et puis, là, ils disent qu'on ne peut pas mettre plus de 40 pièces. C'est écrit ici. Voilà. On va regarder. Alors, comment ressemble la boîte? Ah, sympa. Peut-être que Mister Egg avait raison parce que il y a une empreinte de chat. Alors, il y a les petits schémas, les petits stickers qu'il y a d'habitude sur les cartons. Voilà, il faut handle with care, c'est-à-dire manipuler avec précaution le code barre. Ah, il y a un petit château. Voilà, good luck, bonne chance. Le chat étant un synonyme de chance en Chine, la culture chinoise. Voilà, c'est ici qu'on ouvre pour récupérer l'argent. Et le bouton on-off qui est là. Là, j'ai mis les piles en avance de phase pour gagner du temps. Donc c'est deux piles de type A normal en fait. Voilà, que vous trouvez partout. Il y a un vis pour bloquer. Et puis, on va le faire allumer. Alors voyons voir quand on dépose une pièce. Ouh. Il avait raison, c'est un petit chat. Il n'a pas réussi à prendre. Il est fainéant ce chaton. Ah sympa. Alors si on pose une petite pièce, alors celle-ci, c'est une pièce anglaise, il me semble. Voilà. Voir si ça marche. Ah, par ici à la fin. Faut vraiment la poser juste en dessous. Voilà. Voyons voir avec les pièces marocaines. Est-ce qu'il va pouvoir les prendre? Ça marche bien. Celle-ci, c'est aussi une pièce marocaine de 5 dirhams. Voilà. On va voir si ça marche.
Un peu s'il dit quelque chose. Pouf, ça marche. Si on en met plusieurs, est-ce qu'il va arriver? Il va les pousser. Non, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. On va faire petit à petit. Voilà. C'est assez sympa, rigolo. Bon, bah, ça permet de faire des économies en s'amusant, c'est pas mal. Voilà. Un tirelire amusant pour s'amuser. Alors, il n'arrive pas à l'apprendre à chaque fois, mais. Bon, et puis, si on veut récupérer son argent, donc il faut déjà le mettre sur off. Et puis, on tourne ici. Ah, remis avec une pièce, je pense. Pièce fine, de préférence. Voilà, il y a plus rien. Et voilà, la dernière, toute dernière. Voilà, pour récupérer les sous qu'on aura économisés. Puis on referme après notre petit boîtier sympathique. Ah, il peut contenir jusqu'à 40 pièces différentes. Cette tirelire amusante, voilà, que vous pouvez trouver sur les sites de vente à distance, je crois Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, ou d'autres sites de vente à distance. Voilà. Et puis c'est pas très lourd, c'est léger, c'est rigolo, c'est pas très cher. Ouais, je vais mettre un. Alors je vais tester. Je vais tester de mettre un petit bonbon pour voir si il sera aussi intéressé par le bonbon que par l'argent. Donc on va regarder si. Ah, si on lui met un bonbon, est-ce qu'il saura le prendre? Ah, ça a l'air de l'intéresser. Ah, non. Malheureusement, ça passe pas parce que c'est trop haut en fait. Ah, les bonbons. On va en mettre deux. Tout. Non, t'es tombé. Ah, donc il n'aime pas les bonbons. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Et voilà, l'argent, ça marche super bien, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Antoine Jouet. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager à vos amis si les vidéos vous plaisent. Merci, à très bientôt.